Mon nom, c'est Jonathan Bergeron. Je suis muraliste, illustrateur. J'ai commencé dans le milieu du graffiti il y a un bon 25 ans maintenant. Moi, ma murale, c'était celle de Nightwing. J'ai grandi à Belleuil et puis dans ces années-là, il y avait comme le graffiti commençait à être important un peu à Montréal. Puis je suis tombé là-dedans parce que j'ai tout le temps été intéressé par la culture américaine. Ce que j'aime dans le fait de créer des murales, c'est que c'est quelque chose qui est exposé à l'extérieur. Mais c'est ce que je préfère parce que ça me rapproche de mon milieu qui était le graffiti. J'ai toujours suivi un peu les comics. Mais j'étais pas collectionneur, j'étais pas quelqu'un qui lisait beaucoup déjà au départ, fait que c'était plus le côté dessin. J'en achète un peu plus maintenant, j'ai des enfants aussi, fait que des fois ça fait quelque chose à faire d'arrêter au comic book store, là, au coin, là, acheter 2-3 comics, fait que c'est le fun de renouer avec ça. Quand j'ai entendu parler du projet Gotham Knights, j'étais plutôt content qu'il ait pensé en fait à m'engager pour faire cette murale-là. Je connaissais les personnages. J'ai comme vraiment eu le goût de faire cette murale-là parce que c'était premièrement une grosse murale. La grandeur de la murale m'intéressait beaucoup. Quand j'ai commencé le concept de la murale, j'ai tout de suite vu que je voulais travailler en monochrome avec du bleu et du noir, avec des gris aussi au niveau des portraits. Je voulais inclure aussi ses acolytes dans le groupe. Je savais que je voulais le traiter un peu comme un cover de bande dessinée un peu, là, parce qu'il y a plusieurs éléments qui s'entremêlent. Quand j'ai fait ma composition, je voulais que Nightwing prenne beaucoup d'espace sur montrer son importance un peu au sein du groupe, faire une grosse partie du mur avec Nightwing, avec son visage. Puis je voulais inclure aussi le côté graffiti, c'est pour ça que dans le bas de la murale, j'ai inscription Gotham Knight, mais en graffiti 3D comme je fais normalement quand je fais du graffiti. Juste pour inclure le graffiti à la murale aussi, tu sais, donner un peu ses lettres de noblesse.